tu as déjà constaté que certaines tâches ménagères t'irritent la peau? Si oui, s'il te plaît, dis-moi en commentaire. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. Et je vais aussi vous dire comment mieux vous protéger la peau pour éviter toute irritation. Parce que oui, on ne peut pas suivre les tâches ménagères. Cette vidéo va te permettre de mieux te protéger afin que cette tâche ménagère-là ne te rende pas la vie plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai fait cette remarque très jeune parce que j'ai toujours prêté attention à mon apparence. C'est un truc pour moi. Donc, la première des choses était peut-être quand ma mère me demandait d'éplucher la banane. Je détestais éplucher la banane ou le plantain non mûr à cause de la sève. Et je n'aimais pas aussi souvent laver les jeans là parce que quand je me rendais compte quand je faisais beaucoup la lessive, surtout en Afrique, chez nous, en cette époque-là, bon, jusqu'à aujourd'hui, hein, on faisait la lessive avec les mains. Et je me rendais compte qu'avec le temps, quand je lavais les habits ou que je faisais la lessive, j'avais très mal ici. Aux phalanges, j'avais très mal et parfois moi-même mes phalanges étaient irritées. Si je rapproche un peu mes mains comme ça là, vous allez voir que par ici là il y a des cicatrices ou des blessures qui ont cicatrisé à cause de certaines tâches ménagères que je faisais à l'époque, c'est-à-dire laver les habits, cogner les habits, surtout les jeans. Ça irrite la peau, ça irrite les mains, surtout celles qui ont des enfants et qui sont appelées à faire la lessive chaque jour. Pire encore si tu fais des travaux champêtres. Non seulement on va durcir ta paume de main, peut-être quand tu vas saluer quelqu'un, on va croire que c'est un homme qui est en train de saluer, mais ça va vraiment te donner des blessures, la peau des mains qui serait tellement dure. C'est un constat que j'ai fait depuis. Et depuis cette époque-là, j'ai adapté ou j'ai mis en place des stratégies pour protéger mes mains, protéger mon visage, pour me protéger tout court de cette tâche ménagère-là parce que je suis bon. Aussi longtemps que tu vis, tu ne peux pas fuir, homme comme femme, tu ne peux pas fuir les tâches ménagères, surtout les vrais hommes, parce que les vrais hommes savent que les tâches ménagères ne sont pas un problème de femme. De temps à autre, toi-même, tu t'y mets. Donc, avec le temps, j'ai mis des stratégies pour mieux me protéger. Et ce sont ces stratégies-là que je vais partager avec vous aujourd'hui. La première des choses, par exemple, c'est le fait d'utiliser ses mains, c'est-à-dire ses mains pour faire les travaux champêtres, pour faire la lessive, surtout aussi pour faire le nettoyage. Parce que parfois quand tu fais le nettoyage, même ici en Europe, ça a l'air grave parce qu'on utilise des produits pour nettoyer la douche ou le sol qui sont très forts et très acides. Et il y a même d'autres, vous allez me dire ça, si vous avez constaté qu'il y a des produits quand tu mets les mains dedans, tes mains s'épluchent même pour vous dire à quel point ces produits-là sont forts. Et il faut éviter même que ces produits-là te touchent la peau parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être source de cancer avec le temps. Parce que ces produits-là qui entrent dans ta peau, tu ne sais pas ce que ça peut faire là-bas. Donc, il ne faut pas seulement protéger ta peau pour des raisons esthétiques, mais aussi pour ta santé. La première des choses que j'avais mis en place, c'est de porter les gants. Je portais les gants pour tout faire. Je portais les gants pour laver les habits, puis encore pour aller au champ. Je portais les gants. Parce que ça évitait que j'ai des ampoules sur les mains, des ampoules qui sont parfois très douloureuses. Donc, ça me permettait de protéger mes mains pour éviter non seulement d'être piqué par les herbes, mais ça protégeait mes mains contre les ampoules et les blessures aussi. Ça me protégeait énormément. Toi qui me regardes, prends l'habitude de porter les gants. Les gants pour travailler, j'avais vraiment acheté des gants solides, des gants. Vous connaissez un peu les gants que les maçons utilisent dans les chantiers là. Ouais, j'avais acheté ça. Ils savaient que ça que j'allais faire les travaux champêtres. Pour la maison, pour les tâches ménagères, je porte aussi des gants, comment il dit, de travaux ménagers en fait. Ce sont les gants jaunes comme ça, je crois que ça ressemble un peu à ça. Des gants vraiment longs qui arrivent au coude, qui te protègent. Parce que même le fait d'avoir les mains toujours trempées dans l'eau détruit ta peau. Va détruire tes mains, va faire en sorte qu'à un moment, le milieu, c'est-à-dire les entre-doigts, c'est là. Seront vraiment la peau sera en train de s'éplucher là-bas. Je suis en train de vous dire les choses que j'ai vécues, les choses que j'ai constatées. Deuxième chose que tu peux faire pour te protéger, c'est porter le masque. Porter le masque pour te protéger. Parce que surtout ici en Europe, en Afrique, ce n'est pas trop le cas. On n'utilise pas beaucoup les détergents qu'on appuie là, qui ont les têtes qu'on appuie pour nettoyer. Surtout si tu vis ici en Europe et que tu utilises ces produits-là, il faut porter les masques quand tu travailles. Si tu as remarqué, ou bien sûr quelqu'un qui observe, il faut remarquer les femmes de ménage dans les hôtels ou les grandes surfaces, n'importe où. Tu vas toujours voir ces femmes-là avec des masques.
ce n'est pas pour rien. Ces produits-là sont toxiques. Quand tu aspires ça constamment, à long terme, ça peut te causer des problèmes de santé, des problèmes dans les poumons. Donc, quand tu veux nettoyer, surtout utiliser ces produits-là, ça sent souvent très fort. Ça sent que ça te picote les narines là. Il faut porter des masques quand tu utilises ces produits-là. C'est très important. Ça va te sauver non seulement la vie, mais ça va t'épargner aussi certaines irritations. Troisième chose, les tâches ménagères qui vont te causer des problèmes, c'est la chaleur. Quand tu veux peut-être cuisiner le matin, lève-toi, fais ta routine du matin. C'est-à-dire, tu te nettoies la peau, tu mets ta crème hydratante, tu mets ta crème solaire. La chaleur n'est pas bien pour la peau. Il faut remarquer, ces femmes-là qui vendent les beignets en bord de route, allez un peu regarder leur peau, vous venez me dire. Ça serait comme si on les a brûlés, on les a pris, on les a mis un peu à côté de la flamme comme ça. La peau est un genre. Il y en a une que j'ai vraiment observée parce qu'on a grandi ensemble. Bon, on a grandi là, voyant là-bas, quand on était à l'école primaire, on achetait les beignets. Et je crois que jusqu'au secondaire, elle était toujours là. J'ai vu cette femme-là s'est transformée devant mes yeux. Oui, c'est vrai, il y a aussi l'âge, mais la chaleur, le fait qu'elle est chaque fois en train de frire les beignets, la chaleur là, ce n'est pas bien pour la peau. Et pour ta santé même, ce n'est pas bien. Donc, pour te protéger, évite. Si tu as la possibilité, fais en sorte que ta cuisine soit bien aérée. Telle sorte qu'on a à l'intérieur, on ne transpire pas comme des papiers. Parce qu'il y a des cuisines qui n'ont même pas de fenêtres. Et c'est dangereux. Je suis pas en train de dire que ne cuisine pas chaque jour. Cuisine, oui. Mais veille à ce que la cuisine est assez aérée. Mets ta crème solaire. Et aussi, utilise d'autres alternatives. Comme les micro-ondes pour réchauffer des repas. Le micro-ondes n'est plus un luxe. N'importe qui peut s'acheter un micro-ondes. Ce n'est pas, ça ne coûte pas cher. Tu ne peux pas juste dans la brocante, là, tu cherches ton micro-ondes là-bas. Le soir, au lieu d'allumer le feu et te, je ne sais pas, être brûlé là-bas, tu mets le repas dedans. Non seulement c'est rapide, mais ça va te rendre la vie plus facile et te préserver aussi. Une astuce que tu peux faire pour te préserver de certaines tâches ménagères, c'est de séparer tes vêtements. Ça, c'est peut-être même pour l'hygiène. Ça entre plus aussi dans le compte d'hygiène. Sépare tes vêtements. Les vêtements avec lesquels tu dors ne doivent pas être les vêtements avec lesquels tu cuisines. Non seulement ça. Non seulement quand tu finis de cuisiner, tu sens. Mais ce n'est pas. Non seulement ce n'est pas hygiénique, ce n'est pas. Mais porter la fumée là ou porter les odeurs là pour aller te coucher avec, ce n'est pas bien. Quand tu finis de cuisiner, enlève le vêtement là, tu gardes. Tu as peut-être que 3-4 robes que tu déposes quelque part. Oui, quand tu rentres peut-être du boulot, tu veux préparer, tu changes, tu prends la vie là, tu portes, tu cuisines. Après avoir cuisiné, tu pars te laver. Tu te laves bien, tu mets bien ton linge de toilette, tout là. Tu viens, tu sers le repas ou bien tu sers les gens pendant qu'ils mangent. Toi, tu pas fait tes trucs. Il faut attacher la tête. Il faut toujours prendre un petit foulard là, tu t'attaches la tête quand tu veux cuisiner. Ouais, ça va non seulement faire que ta tête ne sente pas, parce qu'on connaît, surtout nous les Africaines, on se lave pas la tête tous les jours. Souvent, on se retrouve là, on a les cheveux qui sentent la sauce tomate, les cheveux qui sentent la sauce arachide. Comme je disais, les deux, là, ce sont plus les astuces un peu esthétiques et hygiéniques. Mais pour te protéger vraiment la peau, moi je dirais, fais attention surtout à ces produits-là qu'on utilise. Pour faire la vaisselle, porte les gants. Pour nettoyer le sol, porte les gants. Pour faire la lessive, porte les gants. Si tu fais les travaux champêtres ou le jardinage, porte les gants. Il ne faut pas que tu aies une femme de classe. Tu veux ça, saluer quelqu'un, ta main est dure, tes doigts sont comme un maçon. C'est vraiment, c'est désagréable. Parfois, tu utilises même des produits, ça ne marche pas. Tu te dis que non, qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont peut-être ces petits trucs-là qui viennent interférer avec ta routine. Parce que tu vas voir, peut-être tu utilises un produit, ça marche tout le reste du corps, mais sur tes doigts, ce n'est pas trop ça. Tes doigts sont bizarres. Parce que tes doigts sont venus rigides, c'est devenu dur à cause de tous les travaux ménagers que tu fais. Comme je disais, vraiment, il faut prêter attention à ces choses-là. Ce sont ces petites astuces-là qui m'ont préservé jusqu'à maintenant. Quand je dis à certains que j'ai fait les travaux champêtres et pas un peu, personne ne me croit alors que j'ai bien travaillé le champ. Oui, j'ai travaillé le champ, je faisais la lessive, j'ai tiré même le puits. Mais ce sont des choses que tu ne peux pas vraiment remarquer parce que très tôt, j'ai pris la peine de me protéger. Quand il fallait faire éplucher les trucs comme la banane ou le plantain, je mettais mes mains, je portais les gants en plastique là. J'épluche la banane, j'épluche le plantain. Après, je ressors, je lave tout. Ce n'est même pas comme si j'ai fait quoi que ce soit. Tu fais ça pour te préserver, non seulement la peau, et garder une peau rayonnante, mais aussi te préserver la santé.
Parce que oui, il ne faut pas qu'en faisant ça, vous prenez soin de ta famille. Toi, tu te mets en danger. Il faut toujours prendre soin de toi. Parce que ta famille a besoin de toi en bonne santé. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, vraiment, mets-moi un like. Commente. Donc, si tu as d'autres astuces, vraiment, partage avec moi. Vraiment, je suis... Tout de suite, comme on dit là, je voudrais savoir. Dis-moi certaines choses que tu fais pour te protéger à la maison tout en faisant ces travaux ménagers. Donc, c'était tout. C'est ta première fois ici là. Dépose tes valises. Abonne-toi et active la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je vais mettre une vidéo, je serai la première personne à regarder et à me donner ton avis. On se dit à la prochaine. Bye!